Voilà, bonjour à chacun, on est très heureux de pouvoir partager ces moments ensemble, on est très heureux de, de, de pouvoir être réunis. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet également. Pour ceux qui sont là pour les premières fois, je m'appelle Paul Gruson, je suis un des pasteurs de l'Église. Est-ce que vous vous rappelez quel est le thème de la série de prédications que l'on parcourt en ce moment On va voir si vous suivez. Jésus revient, Amen. Est-ce que vous avez le mot savant qui, a, qui se cache derrière Eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des événements, l'étude de ce qui va se passer à la fin des temps, l'étude du retour de Jésus. Et donc, c'est le troisième dimanche qu'on entame aujourd'hui. Il y a quinze jours, Olivier partageait avec vous euh, ce, ce message, cette invitation à vivre chaque jour comme si Jésus revenait ce soir, comme si Jésus revenait demain. Et à vraiment réaliser que Jésus revient bientôt n'était pas du tout prévu que cette série de messages coïncide aussi avec l'actualité qui est parfois un peu déroutante. C'est pour ça que la semaine dernière, ça a été un peu particulier parce que on venait de rentrer dans cet état d'esprit de guerre, même si ce c'est pas la France qui est concernée, mais l'Europe est touchée, l'Europe est impactée et indirectement la France l'est aussi. Euh, on a dressé un petit peu la liste de tous les événements qui vont annoncer le retour de Jésus, mais avec ce message d'espérance. Quand toutes ces choses arrivent, levons les yeux vers le ciel parce que Jésus revient bientôt. L'Apocalypse, euh, tous les messages concernant la fin du temps n'ont jamais eu vocation à faire peur n'ont jamais eu vocation à mettre en stress les chrétiens ou à mettre en peur les chrétiens, mais c'est un, un véritable message d'espérance en vous disant, voilà, ces choses-là vont arriver, tout va bien, c'est normal, elles vont arriver. Elles vont arriver. Parce que l'homme est homme, parce que l'homme est orgueilleux, parce que l'homme est corrompu par le péché, toutes ces choses-là doivent arriver. Mais quand ces choses arrivent, regarde vers le ciel, <laughs> ton salut est proche. Et aujourd'hui... On va, on va essayer de traiter un petit peu plus précisément euh, cette notion d'espérance, euh, puisqu'on va traiter des événements, OK, c'est un message d'espérance, OK, ces choses-là doivent arriver, maintenant, comment est-ce que Jésus va revenir Comment Jésus revient Alors, un petit disclaimer, une petite annonce juste avant. Je vais aborder le, le, les événements successifs du retour de Jésus-Christ. On va dire, j'ai essayé de les mettre par ordre chronologique de leur arrivée. Seulement, si vous parcourez un petit peu, si vous êtes curieux, peut-être que si vous lisez votre Bible euh, plus... Euh, voilà, pour, pour vous personnellement, si vous faites des études approfondies, si vous allez lire des articles, euh, regarder des vidéos sur internet, vous allez peut-être vous rencontrer des personnes qui vont vous proposer une chronologie un peu différente. Tout va bien, ce <laughs> n'est pas grave. En fait, pour établir une chronologie des événements du retour de Jésus-Christ, il faut parcourir tout un tas de signes, tout un tas d'images. Euh, en, en général, les, les, les personnes qui reçoivent les révélations de la fin du monde les reçoivent de façon imagée. Imaginez Daniel qui est projeté dans les temps... Euh, Daniel, oui, Daniel qui est projeté en songe dans les temps présents. Comment il peut décrire ce qu'il voit Les mots hélicoptère, avion. Armes à feu, toutes ces choses-là, ça n'existait pas à l'époque. Donc il est obligé de donner des images de ce qu'il est en train de voir. Jean, pareil, quand il est projeté dans, dans les, la fin des temps et qu'il voit toutes ces choses-là comme des sauterelles, et, et, et les, il décrit ça avec des sauterelles qui, qui volent. Et il est en train de décrire peut-être un hélicoptère, en fait, mais il le sait pas. <laughs> Donc imaginez-vous bien que les personnes qui rédigent ces livres par révélation finalement, elles voient des choses qu'elles ne comprennent pas et donc elles essayent de nous retranscrire ça. Et nous, aujourd'hui, avec notre regard d'Occidentaux euh, euh, en 2022, on regarde ça et on dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire et on doit déchiffrer et établir une chronologie. Donc, vraiment, je voudrais vous le dire, la chronologie que je vais donner, ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous vous rappelez Ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. C'est une interprétation. Soyez pas surpris. Ne pensez pas qu'on prêche le faux parce que vous allez trouver notre chronologie sur Internet. C'est normal. OK Ça va Vous êtes avec moi je vous sens tétanisé de peur. Tout va bien se passer. J'aimerais qu'on introduise un petit peu cette réflexion autour de comment Jésus va revenir par ce texte que l'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 57. Je vous encourage vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je sais qu'il y a des habitués de la prise de notes, c'est très bien. Aujourd'hui, on va lire pas mal de, de références, il y aura pas mal de références, des choses comme ça à relire chez vous. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre des notes, c'est peut-être l'occasion, soit de sortir votre téléphone pour essayer de noter quelques versets, parce qu'on ne pourra pas tout lire. <laughs> il y a beaucoup trop de références. Donc je vais vous les donner, et à chaque fois, je vous inviterai à aller les relire chez vous. Mais on va commencer avec 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 57. Voici, je vous dis, un mystère. L'apôtre Paul démarre bien en disant, ce que je vais vous dire, c'est déjà mystérieux. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alors, la trom les trompettes font référence aux trompettes de l'Apocalypse. Vous savez qu'il y a sept trompettes qui vont annoncer le retour de Jésus-Christ. Et lorsque la septième trompette va retentir, on sait que Jésus-Christ revient. OK, ça va, vous me suivez Donc, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça Le corps corruptible, vous savez que le péché nous corrompt. Nous transforme, nous change, nous dénature. Par exemple, quand la rouille vient corrompre un véhicule, il rend le véhicule inutilisable ou en difficulté. Je vous me défie de rouler avec un véhicule rouler, rouillé sur l'autoroute, vous risquez d'avoir des problèmes. Et bien en fait, c'est ça. La corruptibilité, c'est notre corps est altéré par le péché. Et donc, quand Jésus-Christ reviendra, notre corps sera transformé et nous serons revêtus d'incorruptibilité. C'est-à-dire que le péché n'aura plus d'emprise sur notre vie. Okay, Alléluia ce qu'on peut dire Amen à ça Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia, enfin <laughs> Jésus-Christ revient. La trompette sonnera, on l'a lu, verset suivant, voilà. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, quand ça, ça sera accompli, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Mort, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que je peux avoir un grand amen pour ça Ô oh mort, où est ta victoire Ô oh mort, où est ton aiguillon Il faut les proclamer ces versets-là. L'aiguille de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un verset plein d'espérance. Et, 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 et quand on lit 1 Corinthiens 15 qui nous parle justement de la, du retour de Jésus-Christ, on se rend compte qu'au moment où Jésus-Christ va revenir, pour tous les chrétiens, ça y est, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Alors, tout va se passer très vite, en un clin d'œil. Ça va aller très vite. On y reviendra un peu plus tard dans, dans la méditation, mais euh, nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui... Voilà, qui sommes versés dans les Écritures, qui avons une relation avec Dieu, nous-mêmes nous serons surpris du retour de Jésus-Christ. Nous-mêmes nous serons peut-être pris de court dans le retour de Jésus-Christ. Tout démarre en un clin d'œil, l'Église est enlevée. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être réfléchir, on va avoir un petit jeu de lumière, je ne sais pas si Noah est installé. Noah, es-tu là Ah, c'est Lise, ok. Alors. Quand je vais parler des chrétiens, de ceux qui auront été enlevés, vous verrez la lumière verte apparaître. Vous voyez, les lumières. Et quand je parlerai des personnes qui resteront, que Jésus-Christ n'enlèvera pas, la lumière deviendra rouge. Est-ce qu'on peut faire une démonstration appuyée sur 8 Non, 2, pardon. Attention, 2. Voilà, un petit effet de lumière. Comme ça, vous comprendrez bien, vous verrez que c'est assez visuel. Mais l'idée, c'est de comprendre les choses chronologiquement et comprendre comment moi ça m'impacte en tant que chrétien. Et peut-être aussi éveiller en vous, parce que l'idée c'est de vous éveiller, vous qui êtes chrétien, à ce qui va se passer sur Terre quand vous serez parti. Parce que je suis sûr et certain que plusieurs, on va laisser des personnes que l'on aime, que l'on chérit, que l'on porte sur notre cœur. Et finalement, le message de la fin du monde ne s'adresse pas aux inconvertis, s'adresse aux chrétiens en disant, il va falloir vous activer maintenant. On y reviendra à la fin. Donc, on va, on va commencer avec une lecture, on va remettre la lumière verte et on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Peut-être qu'il y a un frère, une sœur qui a enterré son, son conjoint, un parent qui est mort en Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'on le retrouvera dans l'éternité, dans les cieux, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, les morts, les morts en Christ ressusciteront. Verset suivant. Ensuite, nous les vivants, ouf, Jésus-Christ ne va pas nous oublier, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous le serons toujours avec le Seigneur. Comme je vous dis que c'est un message d'espérance, c'est ça notre espérance. En fait, finalement, pour nous, ici, c'est l'achèvement de notre course. Pendant des années, peut-être, on a lutté pour notre sanctification. On a travaillé avec, en collaboration avec le Saint Esprit, à notre sanctification, et on a travaillé à avoir une vie de prière de qualité, une lecture de la Bible. On a été assidus à, à, à l'Église et on a été actifs, et, et, et on est là en train de faire beaucoup d'efforts parce que la discipline, faut pas se leurrer, c'est quand même quelque chose qui est prenant et qui nécessite un peu de consécration. Et puis, on, 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 on nous pose la question mais pourquoi tu fais tout ça On fait tout ça pour ça nous serons toujours avec le seigneur et ça c'est notre espérance et c'est ça et, et pour nous ce moment là qu'il démarrage du retour de Jésus christ c'est l'accomplissement de toute notre vie de chrétien de toute notre vie de sanctification et c'est notre bonne nouvelle donc jésus christ revient alors il ne pose pas le pied sur terre jésus christ revient sur les nuées et l'église va le rejoindre dans les nuées Oh, ça va être glorieux, ça va être magnifique. Est-ce qu'on pourrait afficher la diapo suivante Et donc là, vous allez voir apparaître, euh, on appelle ça une, une frise chronologique, pour ceux qui font de l'histoire, c'est une frise chronologique, où je vais essayer de résumer les choses point par point. Donc on a l'enlèvement de l'Église, et le premier événement qui nous est relaté à propos de l'enlèvement de l'Église, c'est le tribunal de Christ. OK, vous êtes avec moi Tout va bien vous ai pas encore perdu. Le tribunal de Christ, c'est quoi On lit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce tribunal. Le tribunal de Christ, finalement, c'est quand on va comparaître devant Jésus-Christ. Toutes nos œuvres seront analysées. Notre salut ne sera pas remis en question. Parce que Jésus ne se repent pas de ce qu'il a donné. S'il t'a donné le salut, si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, à ce moment-là, ça ne sera pas remis en question. Seulement, on va parcourir. Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces choses que Dieu t'a données Qu'est-ce que tu as fait de toutes les richesses qu'il a partagées avec toi Qu'est-ce que tu as fait des dons, des talents que tu as reçus, des capacités Qu'est-ce que tu as fait du temps que tu avais euh, entre les mains Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants Qu'est-ce que tu as fait avec ton travail Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que Dieu t'a donné Toutes ces choses-là, elles seront passées au crible. Et la Bible nous dit qu'on obtiendra des récompenses en fonction du bien que l'on a fait, de la charité que l'on aura opérée. Et nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Parfois, quand je regarde certains chrétiens, certaines certaines chrétiennes, je me dis purée, il, il aura bien plus de récompenses que moi. Il, 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 il est quand même bon. Quand je regarde euh, quand je regarde Steve, quand je vois la patience qu'il exerce envers moi et Olivier, envers Olivier et moi, je me dis il aura des grandes récompenses dans les cieux. <laughs> Merci pour les amens. <laughs> Mais c'est ça l'idée, c'est que toute notre œuvre sera sera, passera peut-être sur un écran, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais toute notre œuvre ça passera au crible. On aura peut-être des comptes à rendre aussi, et puis on sera récompensé et tout ce qu'on a fait de mauvais, tous les péchés, tout ça, ça sera oublié. Ça sera oublié. Et à ce moment-là, on, on, on sera revêtu de l'incorruptibilité, de l'immortalité que Jésus a promis. Suite à cet événement, donc on a l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, où nos œuvres sont, sont traitées, toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a une période de sept ans qui démarre. Alors, pourquoi sept ans J'y reviendrai plus tard. Mais juste après ce tribunal, a priori, normalement, si j'ai bon dans ma chronologie, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas, pas aussi évident que ça, mais a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19. Nous allons vivre un repas de noces avec notre sauveur. Je vais reformuler. On va manger un bon con lobo, un bon rougail saucisse, une bonne tartiflette, un bon méchoui, du fromage, du bon vin. Toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses, on va les partager pendant un repas pendant sept ans. Ah, tout de suite, il y a plus de Amen là. Hein <laughs> La Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre, il s'est dépouillé de son humanité et il a vécu notre condition d'homme. Il a pris notre partage, il a pris nos souffrances, il a pris nos tentations, il a pris nos douleurs. Et il a, il a vécu une vie d'homme comme vous et moi. Parce que là, vous êtes OK avec moi. Quand Jésus-Christ viendra rechercher son Église et que nous serons en train de célébrer les noces de l'agneau, cette fois-ci c'est l'inverse. C'est nous l'Église, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes chrétiens, nous serons au partage des bénédictions de Jésus-Christ. Nous serons héritiers, cohéritiers de Jésus-Christ et nous bénéficierons enfin de la plénitude de ce que Jésus-Christ nous a promis en héritage. Nous serons enfin réunis avec Jésus-Christ. Nous serons enfin unis avec Jésus-Christ, non pas dans la douleur de notre humanité, mais dans une grâce et une félicité extraordinaires. On chantera des super chants avec les anges. Revival nous, nous béniront d'une louange extraordinaire. Ils seront encore meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Jonathan Lutin nous fera des solos de guitare extraordinaires. Et nous serons ravis, tellement ça sera une bénédiction extraordinaire. J'essaye de vous faire goûter un petit peu à ce que ça sera, mais je crois que même mon vocabulaire n'est pas suffisant pour ça. Mais c'est ça qu'on va vivre. Seulement, il y a un pendant. Pendant ces sept ans, il va se passer quelque chose sur Terre. Est-ce que tu peux appuyer sur deux Voilà. Il va se passer sept ans aussi sur Terre quand l'Église sera enlevée. Alors il y aura un accès libre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la prière de l'Église, l'intercession de l'Église, l'Église, l'Esprit qui est sur l'Église retient le déchaînement de l'Antéchrist Mais quand l'Église sera enlevée, plus rien ne pourra empêcher ce déchaînement. Et la Bible fait mention que de deux périodes de trois ans et demi, si vous êtes lecteur, vous allez retrouver ce terme un temps, deux temps et un demi-temps. Et en fait, quand on parle d'un temps, dans, les, dans, dans, dans la lecture des, des, des écrits euh, euh, concernant l'eschatologie, on parle d'une année. Donc un temps, plus deux temps, plus la moitié d'un temps, ça fait trois ans et demi. Et donc pendant ces trois ans et demi, dans un premier temps sur terre, eh bien, Dieu va manifester sa colère. Vous allez me dire, comment Paul, toi qui prêches un Dieu d'amour, comment Dieu peut manifester sa colère J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, la colère de Dieu est mise en suspens par la grâce que Jésus-Christ a manifestée, a permis à la croix. Et la colère de Dieu, Dieu est en train de patienter. Et quand, quand l'Église sera enlevée, alors Dieu va commencer à appliquer son jugement, sa condamnation. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et donc il va commencer à juger son peuple. Le peuple juif va commencer à être traité durement parce qu'ils ont refusé le Messie, parce qu'ils ont refusé de reconnaître Christ comme étant le Messie. Et pendant ce temps, l'Antéchrist va gouverner, on va dire, le monde, mais il va apporter un semblant de paix. Ça va être très surprenant comme période parce qu'on va se dire, on est enfin débarrassé des chrétiens, tout d'un coup, tout va mieux. Et puis, l'Antéchrist le, le, va commencer à, à rétablir un petit peu Israël, où il va rétablir les sacrifices. Bref, il va faire comme si tout allait bien. Puis au bout de trois ans et demi, il y a une fracture. Et on rentre dans ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de souffrance qui va durer trois ans et demi. Matthieu enfin c'est Jésus Christ qui, et c'est l'évangile de Matthieu qui nous rapporte les dires de Jésus, il nous est dit qu'il n'y a jamais eu autant de souffrances sur terre que pendant cette période. Regardez un petit peu en arrière quand vous regardez des fois la torture dans, 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 dans le passé, quand vous regardez les méthodes de torture, quand vous regardez les, 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 les génocides, quand vous regardez toutes ces choses là, ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de ce qui va se passer quand l'Antéchrist va se déchaîner. Il n'y aura pas, il n'y aura jamais eu autant de souffrance sur terre. Pendant cette période là, la Bible nous dit qu'il sera possible éventuellement de pouvoir se racheter, de pouvoir accéder néanmoins au salut, mais cette fois ci, ce ne sera pas au prix du sang de Jésus Christ à la croix mais ça sera au prix de son propre sang. Pourquoi je, pourquoi je vous parle de ça Parce que je sais que plusieurs disent, si je rate le premier vol, c'est pas grave. J'aurai qu'à payer le prix moi-même, et puis je pourrais te sauver. être sauvé. Peut-être que quelqu'un nous regarde sur Internet et, 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 se dit, et se dit ça. Il est en train de regarder le culte, soit en direct, soit en rediffusion. Puis il est en train de se dire, bah, ça va, si je rate le premier vol, j'ai une deuxième chance. Oui, peut-être que tu as une deuxième chance, mais j'aimerais juste t'avertir, te dire que la souffrance que tu vas vivre, la torture que tu vas vivre, sera insupportable. Insupportable. Je, je, je ne souhaite à personne de vivre ça. Je ne le souhaite à personne. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui penses que tu auras une seconde chance. Oui, effectivement, la Bible parle d'une seconde chance, mais tu vas devoir payer un prix extrêmement fort. La porte est ouverte encore aujourd'hui, la grâce est encore accessible aujourd'hui. Ne rate pas cette porte-là, ne rate pas ce premier voyage, ne pense pas que tu vas avoir une deuxième chance pendant la grande tribulation. C'est un mensonge. Tu vas souffrir terriblement et ça serait dommage, alors qu'aujourd'hui, <laughs> j'allais dire, c'est presque simple comme une prière. Pourquoi vouloir tant souffrir alors que c'est aussi facile? Donc, on vit cette période de sept ans pendant que nous, on sera en train de célébrer les noces de l'agneau avec notre Sauveur. Il y aura toute cette souffrance sur terre. Mais vous savez qu'il y a un moment où ces choses-là vont finir. Et on va passer à ce qui va suivre. Après ces sept ans, Jésus revient avec l'Église. Voilà, c'est de nouveau vers. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes concernés. Jésus revient avec l'église et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers Zacharie chapitre 14 verset 4. L'église va revenir régner sur terre avec Jésus-Christ. Alléluia. On va enfin pouvoir établir la justice de Dieu sur terre. Et elle est là ton espérance toi peut-être qui vis une injustice aujourd'hui toi qui aujourd'hui es chrétien, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et, et, et tu dis ce monde est injuste, tu as raison ce monde est injuste pour, et, et, et il y arrivera un temps où l'église va revenir avec Jésus-Christ et la justice de Dieu fera loi sur terre seulement ça ne se fera pas, j'allais dire sans difficulté alors si, ça sera probablement très facile mais la Bible fait mention quand même d'une bataille qui s'appelle la bataille d'Armageddon alors j'ai mis juste les deux passages, Apocalypse 16, Apocalypse 17. Je vous invite à les relire chez vous et à essayer de comprendre ce qui va se passer. Mais Jésus-Christ, avec les anges, avec son armée, avec l'Église, va livrer une bataille pour faire quoi Pour prendre Satan, l'enfermer en prison. Ok, je vais la refaire parce que vous n'étiez pas prêts. Pourquoi cette bataille Jésus-Christ va livrer bataille pour prendre Satan et l'enfermer en prison. Amen. Merci pour votre spontanéité. <laughs> Et vous savez que quand Satan sera enfermé, il y a ce qu'on appelle le millénium qui va être instauré. Alors, le millénium, c'est une période surprenante. Encore une fois. Euh, Soyez pas surpris. Sur Internet, vous allez lire plein de choses à propos du millénium. Il y a certains chrétiens qui croient au millénium. Certains disent, en fait, l'église sera enlevée après le millénium. Certains disent que l'église sera enlevée avant le millénium. Certains disent que le millénium a déjà commencé à partir du sacrifice de Jésus Christ à la croix. Bref, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas grave parce que c'est une période de mille ans, en tout cas c'est ce que moi je crois, c'est ce que les assemblées de Dieu croient, c'est une période de mille ans où l'Église vient régner sur terre avec Jésus-Christ. Il nous est dit, ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Pendant ces mille ans, Satan est lié. La justice de Dieu fait loi sur terre. Et nous qui avons été sauvés, qui avons été enlevés pour la première fois, eh bien, nous serons les administrateurs de euh, cette, cette, euh, ce, cette gouvernance. Peut-être que certains seront euh, les maires de Saint-Denis, de Stein, de pierre Peut-être certains seront préfets de, du 93 ou préfets du 75. Voilà. On aura des postes comme ça, des responsabilités. Et notre charge sera d'appliquer la loi de Dieu. Ça vous surprend, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Mais l'idée, c'est ça c'est que nous serons là pour appliquer, nous serons des souverains sacrificateurs, c'est-à-dire ceux en charge d'appliquer la loi de Dieu. Ce pendant mille ans. Et c'est une période où il y aura une paix, j'allais dire une paix relative. Une, une période de paix, puisqu'il n'y aura pas le tourment de Satan, parce que l'adversaire de nos âmes sera lié alors il y aura une paix relative sur terre. Il y aura encore des personnes qui pêcheront, il y aura encore des personnes qui mourront, il y aura encore un peu de souffrance, un peu de maladie, mais la Bible nous fait part d'un caractère exceptionnel de ces choses-là. Mais ça sera une période, voilà, où Jésus-Christ régnera et les nations se tourneront vers Israël parce que son, le trône de Jésus-Christ sera en Israël et les, les nations se tourneront vers Jérusalem pour aller chercher un conseil, pour aller chercher quelque chose. Et c'est un temps extraordinaire où bah, l'Église sera là en train de régner et les, les peuples se tourneront vers Jésus-Christ. C'est une période qui va durer mille ans. On arrive à la fin de cette période. J'espère que vous êtes encore avec moi. Ça va, hein, j'ai perdu personne. Levez la main si vous êtes perdu. Vous avez le droit. Hein. Ça va. Bon, Peut-être que tu es perdu, mais que tu n'oses pas le dire. Hein, après. On arrive au bout de ces mille ans, et, et là, quelque chose de surprenant va se passer. Jésus-Christ va libérer Satan pour une dernière révolte, une dernière tentation. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Apocalypse 20, verset 7. Puis là, vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça C'est vrai que des fois, on lit des choses, on dit, mais pourquoi tu as délivré Satan Il était en prison. Pourquoi est-ce que Jésus va, va délivrer Satan C'est une question légitime. Mais la période des mille ans que l'on va vivre sera-t-elle que beaucoup de nations vont se tourner vers eux, beaucoup de personnes vont se tourner vers Jésus. On va dire que les personnes qui seront restées, qui auront réussi à traverser la tribulation malgré tout, qui auront réussi à traverser ces temps troubles, qui auront vécu les mille ans, ben beaucoup vont se tourner vers Jésus. Et seulement Jésus, je crois qu'il est attaché à quelque chose de très important pour l'humanité, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et dans ce penchant de libre arbitre, quand finalement l'humanité n'a pas d'autre choix que de suivre Jésus-Christ, puisque c'est la gouvernance du pays, forcément il y a un problème de libre arbitre qui se pose. Et donc Satan va être relâché pour une dernière tentation, afin que l'humanité puisse se positionner, soit de suivre Jésus-Christ par amour, soit de suivre Satan. Et c'est pour ça que Jésus-Christ que Jésus va relâcher Satan. C'est pour que le libre arbitre soit disponible, soit exercé encore une fois. Et à ce moment-là, une fois que ce, ce libre arbitre sera exercé pour les nations, alors viendra le jugement dernier. C'est le dernier événement. Si on peut passer à la, à la diapo suivante. C'est le jugement dernier. Ce jugement-là, c'est le tribunal de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ va remettre les clés du royaume à Dieu, au Père. On peut afficher le verset peut-être. 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est le jugement dernier. Et à ce moment-là, simplement, Dieu va regarder, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Maître Le salut ne sera pas remis en question. Le salut a été acquis à l'enlèvement. Hein. On a été revêtu d'incorruptibilité, d'immortalité, et à ce moment-là, rien n'est remis en question. Tout ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur Est-ce que tu as fait de Jésus-Christ le maître de ta vie Est-ce que tu as, tu as cherché à le suivre, à marcher à sa suite C'est ce qui va être regardé à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir une séparation. Il va créer un nouveau, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et il va y placer ceux qui auront choisi Jésus-Christ. Et il va envoyer dans l'étang de feu éternel Satan, ses démons, et tous ceux qui auront refusé d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Maître. Alors, concernant cet étang de feu, cette éternité, je vous encourage à être vraiment euh, curieux. En faisant mes recherches et en cherchant un petit peu, on se rend compte qu'il y a pas mal d'interprétations possibles. Certains disent qu'en fait, ça va être une destruction. L'âme sera détruite. Et, et, et il y aura, les tourments éternels sont des tourments qui ont des conséquences éternelles. C'est-à-dire que les personnes seront simplement détruites. Je vous laisse ça. Passez-le sur votre cœur. Relisez les textes et faites-vous votre, votre jugement. Mais il y, a, il y a ce temps voilà, où Dieu va séparer. Ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont refusé le salut. C'est le jugement dernier. Alors, comme je vous le disais, c est, c est quand on préparait le message, on s'est retrouvé lundi avec Olivier. Et en fait, on était tous les deux d'accord pour dire c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de prêcher l'eschatologie. C'est quand même compliqué de parler de la fin du monde. Si tu peux m'afficher la diapo suivante on va, on va se poser cette question trois clés pour préparer son retour, mais. J'aimerais juste faire peut-être une petite aparté vous dire que effectivement la, la fin des temps n'est pas euh, une prédication que l'on aime faire parce qu'elle appuie le fait qu'il y a euh, qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer elle appuie le fait que il y a ces choses là et le problème c'est que euh, le choix de choisir enfin le fait de choisir Jésus doit pas être un choix fait par peur ou sur, sur la réaction émotive d'une certaine peur. En fait, c'est très, très délicat d'en parler. En fait, on ne devrait pas parler de la fin du monde à des incroyants. L'eschatologie, le, 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 ça concerne vous qui êtes chrétiens, qui avez accepté Jésus-Christ. Ça vous concerne vous, ça vous parle à vous, parce que ça vous permet de, bah, à vous de, de rentrer dans cette mission que Jésus nous a donnée. Mais à vous qui nous suivez peut-être pour la première fois, qui êtes curieux de la vie en Jésus-Christ, qui êtes curieux de la foi chrétienne, ce, ce, ce message-là de l'eschatologie ne vous est pas concerné parce que le problème, c'est que ça met en avant un choix binaire. Soit c'est la carotte, soit c'est le bâton. Accepte Jésus-Christ et tu vas au paradis, refuse Jésus-Christ et tu vas en enfer. Et Jésus-Christ n'a jamais voulu que notre choix se base sur la peur d'aller en enfer. Jésus-Christ souhaite que tu l'acceptes comme sauveur et comme maître. Pourquoi Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te transformer aujourd'hui, parce qu'il veut ton bien aujourd'hui, parce qu'il a envie que tu sois avec lui aujourd'hui. Alors, peut-être trois clés pour préparer son retour. Il y a deux clés. On va, on va, je vais m'adresser à vous qui êtes chrétiens, qui avez accepté Jésus-Christ. Et la troisième clé, je m'adresserai cette fois-ci à ceux qui sont là pour les premières fois, qui cherchent Jésus. Peut-être quelques jeunes qui sont là avec nous et, et, et qui sont encore dans cette hésitation. Euh, la première chose, accomplissons le ministère de l'Église. Cette semaine, on m'a envoyé plusieurs vidéos concernant un petit peu la fin des temps. Et il y, y a cette image qui m'a été donnée. Qui, aujourd'hui, a un smartphone Levez la main. Euh, non, on n'est pas que trois, ce n'est pas vrai. Allez, levez la main bien haut, là, ça va vous, ça va vous réactiver un petit peu. D'accord, donc on a cinq personnes qui ont un smartphone dans l'église. Super. Alors, n'oubliez pas d'aller installer l'application de l'église La Pépinière pour réécouter tous nos messages. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Nos smartphones sont incroyables aujourd'hui. Euh, on a un agenda, on peut envoyer des SMS, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut prendre des notes, on peut lire la Bible, on peut faire plein de choses avec notre téléphone. Moi, j'ai mon agenda dessus, je, je dis toujours si je perds mon téléphone, je suis perdu. Si vous venez me voir à la fin du culte en me disant est-ce que ça serait possible qu'on se voit cette semaine et que je n'ai pas mon téléphone La première chose que je vais vous dire, c'est je n'ai pas mon cerveau avec moi. Envoie-moi un message. <laughs> si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, envoyez-moi un message. Vous avez plus de chances d'avoir une réponse que si vous me demandez comme ça à la sortie du culte. Voilà, mon, mon cerveau aujourd'hui, il, il y a un blocage qui est fait par, par rapport à ça. Mais bref, notre téléphone nous sert à plein de choses. Qui a installé des jeux sur son téléphone Wordle. Allez, levez la main. Non, pas Wordle, comme hein, quelques-uns. <laughs> Seulement, on se rend compte de l'utilité d'un téléphone, de son smartphone, quand on est en crise. Au moment où vous avez l'accident de voiture, au moment où il y a une crise cardiaque dans la rue, au moment où il y a une difficulté, il y a une crise qu'on traverse. Qu on traverse à ce moment-là, qu'on se rend compte que son téléphone nous sert à téléphoner. Parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Hein. Que le téléphone sert à téléphoner. Mais quand on est en temps de crise, c'est là où on se rappelle oh, pur heureusement que j'ai mon téléphone pour pouvoir appeler les pompiers, les ambulances et compagnie, parce que je, je, sans ça, bah, je serais mort, en fait. Eh bien, dans les temps de crise que nous allons vivre, parce que je vous rappelle qu'on est dans les temps de la faim et ça ne va pas aller en s'améliorant, dans ces temps de crise, je crois qu'on va retrouver la véritable utilité de l'Église. L'Église va être pressurisée, l'Église va être mise sous pression, les chrétiens vont se rendre compte de l'imminence du retour de Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte de la véritable utilité de l'Église. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Le ministère de l'Église, ce n'est pas d'animer des réunions le dimanche matin. Le ministère de l'Église, ce n'est pas de faire un peu d'animation pour les jeunes, pour les ados. Ce n'est pas d'organiser des summer camps pour les jeunes. Ce n'est pas d'organiser toutes ces choses-là. La, la, la véritable mission de l'Église, c'est de permettre à l'humanité d'entendre Jésus leur parler. Je vais peut-être vous choquer, mais arrêtons de parler de Jésus à l'humanité. Pasteur qui dit arrêtons de parler de Jésus. Arrêtons de parler de Jésus. <laughs> Mais quand vous parlez à quelqu'un, parlez au nom de Jésus. Laissez Jésus-Christ parler à votre entourage. Soyez les messagers de Dieu. L'humanité n'a pas besoin d'entendre parler de Jésus elle a besoin d'entendre Jésus lui parler. L'humanité a besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu. Et le ministère de l'Église, la mission de l'Église, c'est d'être un messager pour l'humanité et que l'humanité puisse entendre Dieu parler. Et ça, ça va être le ministère. Comment préparer le retour de Jésus-Christ Rentrons véritablement chacun dans notre ministère. Commençons à être les messagers de Dieu. Parlons au nom de Jésus. Dis, euh, osons dire les choses au nom de Jésus. Nous avons besoin de rentrer dans ce ministère-là. Pour ça, forcément, vous allez avoir besoin eh bien, de, de renforcer votre relation avec Dieu. Et c'est le deuxième point. Il nous faut nous préparer nous-mêmes à sa rencontre. Là, je me suis adressé dans le premier point à toute l'Église parce que c'est notre ministère à tous. Mais là, j'aimerais m'adresser à chacun de vous individuellement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, je vous invite à relire tout ce chapitre. Et dans le contexte, on est en train de parler de la parabole des dix vierges. Il y en a cinq qui vont être prêtes et cinq qui vont oublier de se préparer. Les dix vont s'endormir et quand elles vont être surprises par le retour du, de, de l'époux, alors les cinq qui étaient prêtes vont pouvoir rentrer dans les noces, mais les cinq qui ne se sont pas préparés vont être mises de côté. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ va dire, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Préparons-nous au retour de Jésus-Christ. Comment est-ce que vous pouvez rentrer dans le ministère que Jésus, que Jésus vous a confié, d'annoncer le royaume de Dieu, de parler au nom de Jésus en vous préparant individuellement à son retour. Olivier a tendance à dire que la pédagogie, c'est dans la répétition. Je ne répéterai jamais assez qu'il y a trois choses qui vont vous permettre de développer votre relation avec Dieu. La première chose, c'est une vie de prière de qualité. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier 5 heures par jour, 10 heures par jour. Si vous êtes là le mardi soir, on a parlé de ça, euh, je ne sais plus si c'était à 15 jours, il y a 3 semaines. Mais. Chacun, on a des besoins différents dans notre relation avec Dieu et on doit nourrir cette relation selon nos besoins. Et donc, il faut mettre en place des disciplines personnelles qui correspondent à nos besoins pour rejoindre Dieu, pour se connecter à Dieu. Peut-être que euh, eh bien, toi, tu prends une heure dans les transports parce que tu as deux heures de transport pour aller travailler. Et en fait, t es, t es, tu prends une heure le matin dans les transports, tu es connecté à Dieu, tu as de la louange dans tes oreilles. Sois béni pour ça Peut-être que toi, c'est le soir avant de coucher, au lieu de regarder Netflix, tu vas t'asseoir dans ton canapé, tu vas ouvrir ta Bible, puis tu vas te connecter à Dieu, puis tu vas prendre du temps avec lui. Sois béni pour ça. Peut-être que quelqu'un, c'est juste 10 minutes le matin, parce que c'est tout ce qu'il peut offrir à Dieu, c'est ces 10 minutes le matin, parce qu'après, euh, c'est une femme au foyer qui a trois enfants, euh, qui est toute seule pour élever ses trois enfants. Puis en fait, une fois que le premier, il est réveillé, c'est un, déchaîne, un déchaînement toute la journée. Il faut aller conduire, il faut faire à manger, il faut aller les chercher, courir après eux pour prendre le bain, courir après eux pour les faire manger. Et puis quand on arrive le soir à 22h qu'on a fini la journée, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Et donc, tout ce que tu as entre les mains, c'est ces 10 minutes juste avant que le premier se lève. Sois béni pour ça. Veillez à votre vie de prière. La deuxième chose, méditez la parole. La jeunesse Connexion a, a publié sur les réseaux sociaux euh, le, le, la différence entre lire et méditer. Je vous encourage, si vous êtes curieux, à aller voir la page Instagram des jeunes Connexion. La différence entre lire, c'est que lire, des fois, ça peut être passif. On peut lire la Bible comme un beau roman, mais ce qui est important, c'est de la méditer. Ce qui est important, c'est d'analyser le verset, de savoir pourquoi ça m'est adressé à moi, qu'est-ce que je peux en faire pour ma vie aujourd'hui et comment ça peut transformer ma vie. On a besoin de s'imprégner de la parole. Vous voulez savoir comment donner une parole de Dieu à quelqu'un Parfois, c'est juste citer un verset à propos. Un seul, pas douze, hein, un seul. Ben ça a une puissance énorme dans la vie de quelqu'un. Je ne vous demande pas de citer dix mille versets pour justifier un propos sur Internet. Juste parfois consoler quelqu'un après l'avoir écouté, après avoir passé du temps avec lui. Dire voilà, moi je crois en un Dieu qui guérit parce que la Bible dit ça. Moi je crois en un Dieu qui console parce que Jésus a dit je vous enverrai un consolateur. Moi je crois en un Dieu qui dit ça. Plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez pouvoir apporter Dieu aux gens. Et la troisième chose dont vous avez besoin, c'est L'Église. Alors, je ne vais pas m'adresser à vous qui êtes là, parce que bah, vous êtes à l'Église, vous êtes parmi l'Église, vous êtes l'Église, mais je voudrais peut-être m'adresser à des gens qui nous suivent sur Internet, qui, qui parcourent les cultes les uns après les autres. C'est bien, ça peut nourrir ta foi, mais tu as besoin de t'attacher à un groupe de chrétiens qui vont te faire grandir spirituellement. Tu as besoin de te, de te connecter à d'autres chrétiens pour grandir spirituellement. Non te débrouiller tout seul pour grandir dans la foi, c'est périlleux. C'est périlleux. Tu as besoin de te connecter avec des chrétiens. Alors aujourd'hui, il y a plein de formes de l'église et je voudrais vraiment qu'on remercie Dieu pour ça. On a plein de formes d'église. Il y a l'église traditionnelle, comme on vit ce matin, où on a des cultes le dimanche et on se rassemble. Il y a des cultes de maison où là, c'est en semaine, on se retrouve en semaine pour prier ensemble. Et c'est l'église aussi. Il y a, parfois, c'est des associations qui se réunissent en semaine. Il n'y a pas de rendez-vous le week-end parce que les week-ends sont libres où tout le monde est occupé. Mais ça aussi, c'est l'église. Parfois, c'est juste un petit groupe de 5, 6, 10 personnes qui se réunissent en semaine pour prier ensemble, pour partager l'évangile. Ça, c'est l'Église. C'est peut-être un temps aussi où tu te connectes sur Internet, tu as un forum de discussion, tu as un espace de chat en ligne où tu discutes et tu échanges avec des frères et des sœurs, tu poses tes questions, tu as des réponses. Ça aussi, c'est l'Église. Et chacune de ces églises-là, elles ont leurs avantages et aussi leurs inconvénients mais je t'encourage à t'attacher à une église à un groupe de chrétiens qui va avec qui tu vas partager ta foi et avec qui tu vas pouvoir grandir spirituellement. Donc on a vu trois choses pour s'attendre autour la première chose que nous puissions en tant qu'église rentrer dans notre mission. La deuxième chose c'est en tant que chrétien développer notre foi. Et j'aimerais adresser ce dernier point peut-être à des personnes qui nous suivent pour les premières fois. Nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, il viendra un temps où la grâce de Dieu arrivera à son terme. Il arrive un temps où les cieux Jésus-Christ aura repris son église et les cieux seront fermés dans la Bible on retrouve cette histoire de Noé, c'est universel cette histoire tout le monde connaît l'arche de Noé, il y a des films qui ont été faits à ce sujet là. Et puis il y avait un temps où l'arche la porte de l'arche était ouverte et tout le monde pouvait rentrer dans l'arche et il y a un moment où Dieu a fermé la porte et c'était trop tard. Aujourd'hui, nous sommes encore sous un temps, sous un temps de grâce. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jésus-Christ lui-même. J'aimerais qu'on puisse lire dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Il nous a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui parle. « hein Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans le contexte, Jésus, Jésus, on, 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 c'est le sabbat. Jésus monte au temple et c'était coutume au sabbat et on lisait un texte. Et Jésus va ouvrir les rouleaux. À l'époque, c'était des rouleaux. Vous savez, c'était pas des livres comme on a aujourd'hui. C'était des rouleaux. Et, et Jésus va rouler la, la Bible pour arriver sur un passage qui se situe dans Ésaïe. Et en fait, ce qu'on vient de lire, c'est tiré du prophète Ésaïe. Seulement. Là, il y a un point pour publier une année de grâce, point. Seulement, quand vous allez dans Ésaïe, <laughs> après, il n'y a pas de point, il y a une virgule, et c'est marqué un jour de vengeance de la colère de Dieu. Puis là, les scribes, les pharisiens, les habitués de la lecture de la parole qui étaient assis dans l'auditoire sont en train de regarder Jésus en disant, mais... Mais ben, elle est où la condamnation de Dieu Là, Jésus t'a oublié de parler de la colère de Dieu qui va foudroyer tout le monde. Les scribes et pharisiens n'attendaient que ça. C'était des personnes dures. Jésus t'a oublié de parler de la colère de Dieu. Voyons, Jésus ne l'a pas oublié. Seulement, Jésus sait une chose, c'est a là, c'est l'année de grâce du Seigneur. Et il y a un point. Bien sûr, viendra un temps, comme je l'ai dit, au retour de Jésus-Christ, où la colère de Dieu sera libérée. Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce pour toi. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de prêcher pour que tu, tu, tu acceptes Jésus-Christ parce que tu as peur d'aller en enfer, parce que tu as peur du jugement de Dieu. J'ai pas envie que tu choisisses Jésus pour ça. J'aimerais simplement te dire, est-ce que ça, ça t'est jamais arrivé dans ta vie de faire des choses que tu n'avais pas envie de faire Puis tu as fait du mal, puis tu ne sais pas pourquoi tu n'avais pas envie. Tu étais en train de te disputer avec ton épouse ou avec ton, avec ton conjoint, et puis tu t'es mis en colère, puis tu as sorti une parole que tu n'avais pas envie de dire, puis c'est sorti quand même. Ou tu étais en train de fâcher tes enfants parce qu'il avait fait une bêtise et parce que tu étais vraiment en colère à ce moment-là, peut-être que tu as lâché une fessée sur ton fils, puis tu voulais pas. Ou peut-être tu étais en train de conduire ta voiture, tu étais sur l'autoroute tranquillement, puis il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson, puis sous le coup de stress, de l'émotion, boum, tu as lâché un juron et tu as maudit la personne qui t'a fait cette queue de poisson. Ça t'est jamais arrivé de faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. C'est sorti comme ça. Ou ça t'est jamais arrivé d'avoir toujours rêvé de faire quelque chose d'extraordinaire, puis de jamais avoir trouvé l'occasion, pris le temps, réussi à bloquer du temps. Combien de temps que tu as envie de donner ton sang, puis qu'en fait, tu n'as jamais le temps. Tu trouves jamais le temps. Ou combien de fois tu as eu à cœur d'envoyer juste un compliment pour la jolie tenue que portait Néhémie, puis de lui envoyer un petit message en lui disant « j'aimais bien comment tu étais habillé aujourd'hui, puis qu'en fait tu l'as pas fait. » Parce que tu dis oh, « qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» Ou alors tu voulais simplement encourager un frère et une sœur parce que tu étais content de le voir ce matin à l'église, puis que tu l'as pas fait. Tu dis « bof, après tout c'est normal qu'ils viennent à l'église ce matin. » Ça t'est jamais arrivé d'être comme ça, de vouloir encourager quelqu'un à ne pas y arriver, ou de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. Ça, ce truc-là, s'appelle le péché. Ce truc qui t'empêche de faire le bien que tu veux faire, et ce truc qui te fait faire le mal que tu ne veux pas faire, ça s'appelle le péché. Et Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Mais Jésus Christ veut te proposer aujourd'hui une transformation profonde de ta vie. Jésus Christ veut aujourd'hui te proposer une solution à ce truc qui t'empêche de, de faire le bien que tu veux faire, ou proposer une solution à ce truc qui te fait, qui te fait le mal, qui, qui, qui te pousse à faire le mal que tu ne veux pas faire. Jésus veut te proposer une solution aujourd'hui, une transformation profonde de ta vie. Dans la Bible, on peut lire, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse, je te loue de ce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a une transformation possible en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je t'encourage, toi qui nous suis pour les premières fois, toi qui es là pour les premières fois, ou toi un jeune, ça fait des années que tu vis ta foi par procuration parce que c'est papa-maman qui te pousse à venir à l'église. Ça fait des années que tu es là pour, euh, et que tu écoutes ce message. Peut-être que tu nous suis en ligne, tu es assis dans le canapé, dans le salon parce que ton, ton père et ta mère t'ont dit on écoute le culte ce matin. Puis tu n'as pas envie d'être là. Puis de toute façon, je n'ai pas envie d'être là. Puis ça fait des années que tu vis cette foi par procuration. J'aimerais m'adresser à toi. Oh, n'accepte pas Jésus Christ parce que tu as peur d'aller en enfer. C'est jamais pour ça que Dieu a voulu nous sauver. Dieu veut nous sauver. Jésus Christ nous a rachetés pour vivre une transformation aujourd'hui. J'aimerais demander au groupe de louanges de, de me rejoindre sur scène. Je sais quel chant ils vont prendre. Ils vont prendre le chant qui s'appelle Je m'abandonne. Oui, la fin des temps est proche. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. On a vu toute cette suite d'événements. Et peut-être que tu, tu te dis aujourd'hui, moi bon, ça va, j'ai le temps. Mais tu as le temps pourquoi Oui, peut-être que tu as encore un peu de temps avant ce que Jésus revienne. Peut-être. Mais tant c'est rien. Oui, tu as peut-être encore un peu de temps. Avant le retour de Jésus, mais tant c'est rien. Mais ce que Jésus te propose aujourd'hui, ce qui est ouvert aujourd'hui, ce qui est accessible aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui nous transforme, qui nous change, qui fait de nous des meilleures personnes, qui fait de nous des meilleurs humains, qui nous permet de faire toutes ces choses qu'on a eu toujours envie de faire pour bénir, pour encourager, pour faire du bien. Jésus veut nous transformer aujourd'hui. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son fils pour que tu aies la vie éternelle, ce n'est pas du futur. Ça ne concerne pas ce qui va se produire après, après le retour de Jésus. C'est que tu es aujourd'hui la vie éternelle. Quand Jésus Christ est sur la croix et qu'il est en train de vivre la condamnation de nos péchés, et qu'il s'adresse à ce brigand. Et qui lui dit aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans l'éternité. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus comme sauveur et comme maître, tu bénéficieras de cette vie éternelle, la vie Zoé, cette vie pleine de richesse, pleine d'abondance. Dieu veut te faire bénéficier de son amour aujourd'hui. Peut-être que tu es là, t écoutes, t as pas, tu écoutes, tu ne ressens pas d'amour, tu ne ressens pas de joie, tu es triste. T'es en peine, es en quête de quelque chose, il y a, y a comme un vide dans ton cœur. Dieu veut le combler avec son amour. La porte de la grâce de Dieu est ouverte aujourd'hui. Et je ne veux pas que tu l'acceptes parce que tu as peur d'aller en enfer. Je veux que tu l'acceptes parce que ça va offrir une transformation extraordinaire à ta vie. Tu vas pouvoir enfin devenir la personne que tu rêves d'être. Tu vas pouvoir enfin devenir, de vivre la vie que tu as envie de vivre. Parce que Jésus va ôter ce péché de ta vie, qui, qui te fait faire le mal que tu ne veux pas faire et qui t'empêche de faire le bien que tu veux faire. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts. Peut-être que toi qui nous suis, sois bien attentif. La porte est encore ouverte aujourd'hui. La porte du salut est encore accessible aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, ne crois pas qu'il y aura une deuxième chance. Oh, tu vas payer très cher et tu risques de ne pas y arriver parce que tu vas devoir payer le prix fort. Aujourd'hui, la porte est ouverte. C'est simple. Simplement comme une prière. Je m'abandonne. J'aimerais simplement pouvoir prier pour cette personne qui a reçu ce message. Alors, toi qui, qui nous suis sur internet, tout simplement bah, chanter ce chant. Mais je voudrais prier pour toi. Peut-être qu'il y a toi qui est là, juste manifester en levant la main, en disant Moi je veux aujourd'hui accepter Jésus Christ comme Sauveur. J'ai compris que Dieu voulait transformer ma vie. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à saisir aujourd'hui. Et je voudrais simplement le saisir. Oh, je ne veux pas passer à côté des bénédictions que Dieu veut m'offrir aujourd'hui. Simplement, lève ta main et je prierai pour toi. Toi qui nous suis en ligne, je prierai aussi pour toi. Et puis, si, 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 si tu n'as pas le courage de lever ta main, juste prendre ce chant qui dit Je m'abandonne. Chante-le pas du bout des lèvres, mais vis-le pleinement. Je m'abandonne, je t'offre ma vie. Jésus-Christ revient bientôt. Ne passe pas à côté des bénédictions qu'il veut offrir aujourd'hui à ta vie. Père éternel, je te prie pour ces personnes qui ont été touchées, qui veulent simplement t'accepter comme sauveur, comme maître, qui sont prêts à ouvrir leur cœur, qui sont prêts à ouvrir leur vie, qui veulent simplement s'abandonner à toi. Je te prie, Seigneur, de répondre à leurs prières, de les remplir maintenant de ton amour de ta joie, de ta paix, de les consoler, de les guérir. Père éternel, tu agis maintenant au nom de Jésus. Amen.